Et en complément des projets d'activités spécialisées, les animateurs de vie quotidienne proposent des activités découvertes de la région et de son patrimoine. Formés sur place, ils construisent leur animation suivant les objectifs des enseignants. Et là, vous avez un trou. Et là, vous en avez un autre. Ah, je sais pourquoi c'est pour mettre une barre. L'idée étant de donner aux enfants un aperçu général du cadre de vie local. Quatre thèmes sont principalement abordés. La visite du village, avec ses calades, son architecture, ses anecdotes vivantes, son histoire, son église du XIIe siècle, son charme préservé. Une balade à la recherche de fossiles intégrant une partie théorique, suivie d'une animation géologique sur le terrain. Les ressources locales exploitées différemment selon les saisons. Fruits, champs de lavande, plantes aromatiques, mielleries, tilleuls, qui peuvent donner lieu à une dégustation et au jeu des quatre sens drômois. Enfin, sur la trace des castors, activité qui permettra aux enfants d'observer son habitat dans son milieu naturel et qui sera également illustrée par une vidéo. Chacune de ces activités, adaptée en fonction du niveau des classes, deuxième ou troisième cycle, est accompagnée d'un dossier pédagogique permettant la suite de l'exploitation. En fin de séjour, afin d'évaluer les acquis des enfants, un jeu contrôle des connaissances dans le village est organisé par les animateurs de vie quotidienne. On était de quel côté ? Ah,